peut-être cette photo. C'est issu d'un film. Alors, ça vous donne une idée de mon âge, je sais. Je regardais ça quand j'étais petit avec mon petit frère et ma petite sœur. Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Alors, c'était intéressant, on les voyait se balader dans des sous-sols et découvrir des grosses bêtes, des gros monstres. Et Voyage au centre de la Terre, pour moi, ça me fait un petit peu voyage au centre du microprocesseur. Quand je vois ça, c'est vraiment des gros monstres, quoi. C'est quelque chose, on ne comprend pas grand-chose et ça fait un peu peur. Et je n'avais jamais vraiment compris ça, mais jusqu'à un moment, il y a quand même une personne qui s'appelle Ken Shirif, je vous inviterai à regarder. Quelqu'un qui est capable de zoomer. Alors, il prend des processeurs, il les met dans l'acide, il les zoome, ça c'est impressionnant. Il fait des vidéos YouTube, des confs là-dessus. Il zoome, et le mec normal, il t'explique. Oui, bah, ça c'est le collecteur, l'émetteur, la base, normal et tout. Mais en fait, il explique tellement bien, c'est tellement sympa, c'est tellement passionné, qu'après tu te retrouves à re-regarder ce genre de truc, à dire ah, mais ouais, normal, ça c'est les registres, ouais, ça c'est la lutte, wow, comment j'ai fait ça. Et c'est là où tu dis, le mec il a un truc, il y a vraiment un point pédagogique où là il a réussi quelque chose. Et justement, la pédagogie. Et le partage, c'est quelque chose qui, c'est une de mes valeurs et j'aime beaucoup partager mes passions. Et en particulier avec ma société, on a l'occasion d'aller dans des écoles, des écoles d'université, où on a du mécénat de compétences, on a 10 jours par an où on peut faire aider des assos. Voilà. Et moi, j'allais dans l'école de ma fille et je leur apprenais, c'était une petite classe, vous voyez, comme sur la photo, vraiment très, très, une dizaine d'élèves, et on faisait l'Arduino, l'électronique, les bases, quoi. Et j'essaye de rendre ça fun, hein, c'est un peu ça le but pour moi. Et c'est intéressant, d'ailleurs, vous voyez sur la photo, il y a marqué à Thomas Pasquet, là, sur le petit CLCD. Ça, c'est marrant, parce que je les avais laissé jouer avec, il y avait marqué Hello World, un truc comme ça. Et je suis repassé, je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait, là ? C'est toi qui as fait ça ? Elle a dit, ah bah oui, mais comment t'as fait ? Ah bah, j'ai vu du texte, je l'ai modifié, j'ai recompilé comme tu m'as dit, j'ai uploadé, j'ai fait ça. Wow, tu veux faire quoi dans la vie ? Je veux faire astronaute. Je fais, ah bah, tu... ouais, ok, pas de problème, vas-y, tu peux y aller. Non, assez impressionnant, c'est vraiment super. Et en fait, à une de ces sessions, j'étais avec ma fille, je lui ai dit, mais en fait, juste pour toi, l'ordinateur, c'est quoi ? C'est quoi un ordinateur ? Elle m'a dit clavier, un écran, réseaux sociaux. Je lui ai dit, OK, il y a du travail. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer ? Est-ce que peut-être je peux aller jusqu'au bout des choses et expliquer comment marche un ordinateur et un processeur, pour le coup ? Et là, je me suis dit, je vais prendre ce challenge. Et en fait, il y a une personne qui s'appelle Richard Feynman, un très éminent physicien qui était reconnu. Alors, il a été à prix Nobel, ils étaient trois à avoir des prix Nobel. Mais on se rappelle de lui, pourquoi ? Parce qu'il a fait des petits dessins. Je m'explique, je vous laisserai rechercher. C'est un physicien qui était très pédagogue. Et donc, il est allé au-dessus du lot, quoi. Et c'est plutôt lui qu'on se rappelle de lui. Il avait dit une chose, il avait dit « What I cannot create, I do not understand ». Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Et c'est un peu ma philosophie. C'est pour ça que quand mon père m'a dit un jour, tiens, tu peux t'acheter une petite maison là avec l'argent que tu as, ou tu crées ta maison et là tu fais la tête que tu veux, tu fais ce que tu veux. Je dis, ouais, on fait ça. Ouais, bah ça fait 10 ans et j'ai pas encore fini. Mais c'est super intéressant. On apprend plein de trucs, la plomberie, l'électricité, tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer un processeur ? Mais non, c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas quelque chose de possible. On voit à l'école et tout, on comprend rien. Enfin, c'est pas forcément évident. Donc je me suis dit, on va commencer par les bases. Et déjà aux enfants, j'ai essayé. Je me dis, comment on explique déjà les 0 et les 1 ? C'est vraiment très compliqué. Ça fait peur à tout le monde. Donc je me suis dit, je vais partir là-dessus. Hein. Alors là, vous n'avez pas le son, mais c'est Jacouille la fripouille. Hein. Jour, nuit, ça devient un petit peu lassant à un moment donné. On dit oui, t'es gentil. Voilà. Mais effectivement, pour moi, c'était vraiment, je reprenais la base, c'est zéro, tu coupes, t'as rien, c'est la nuit, il n'y a pas d'électricité. Un, il y a du courant, et dans notre cas, à nous, ce sera du 5 volts. Voilà, donc c'est 0 volts, 5 volts, 0, 1. Donc j'étais parti là-dessus, j'étais aussi parti sur tout un tas d'expérimentations pour expliquer les transistors. Je me dis, à un moment donné, je ne pourrais pas passer à côté, il faudrait que j'explique les transistors. Et là, c'est pas évident. Donc, je me suis. Et surtout qu'on trouve plein de trucs, quoi. J'ai commencé à chercher, parce que moi, je suis juste voilà, un bac plus 2 en informatique. J'ai pas fait d'électronique, si ce n'est qu'à l'école, un petit peu comme vous, et puis un peu à l'IUT, mais très, très faiblement. Et donc, je me suis remis à rechercher. Et j'avais trouvé des trucs, et on voit des absurdités, ça qui est triste. Des fois, on voit par exemple, ça amplifie le courant. Et alors, là, je me dis, c'est génial, c'est magique ce truc, tu mets du courant, et hop, ça amplifie, c'est magique, c'est trop bien. Mais pas du tout, en fait, ça amplifie pas du tout du courant. À la limite, on peut dire signal, c'est un petit peu plus correct. Mais en fait, donc je me suis dit, même pour expliquer ça, mais dis-moi si j'arrive à comprendre, si je vais expliquer. Donc, j'avais fait ce petit dessin, et j'avais fait un petit, voilà, des essais de couches d'explication, où vous avez la petite princesse, là, avec Ralph. La petite princesse, elle est là, elle ouvre la porte, et t'as Ralph qui est là, le 5 volts, il est là, il y a quelque chose qui l'a mis quand même, il y a une puissance qui est là, et lui, il ouvre la porte, la petite princesse ouvre la porte, et hop, il passe. Voilà, ce genre de petits trucs. Donc ça, c'était assez intéressant, mais après, je me suis dit, on va essayer de faire ce fameux processeur, donc clavier-écran, c'est ce que m'avait dit ma fille, de l'électricité. Donc là, j'ai essayé d'expliquer comment fonctionne l'électricité. Là aussi, on peut aller très loin. Donc ça, c'est nos entrées et notre sortie, l'écran. Alors,
on ne va pas faire ça parce que là, ça va être un petit peu compliqué, bien que ce sera un projet peut-être pour plus tard, mais c'est cette boîte à l'intérieur, ce processeur-là. Comment est-ce qu'on peut faire? En entrée, on va utiliser des petits contacteurs, des petits switch contacteurs, hein, pour rentrer nos 0 et nos 1. Ce sera notre clavier, hein, nos petits 0 et 1 qu'on va faire dans un instant. Et en sortie, bah, des LED. Des LED, c'est rigolo, c'est sympa, ça clignote de partout. Ça, c'est le console log de l'électronicien, ça, c'est sympa. On va mettre aussi un petit afficheur... décimale, parce que bon, voilà, on est quand même des humains et c'est à un moment donné quand même sympa de voir un peu à chier. Alors on va aller juste, on en a déjà mis un, hein, donc voilà, il faut pouvoir aller de 0 à 9. Le petit transistor, alors le petit transistor, j'avais essayé de l'expliquer effectivement et je me suis dit, tiens, mais ça me fait penser, même c'est rigolo, la petite boîte noire, ça me fait penser à un petit Lego. Et en fait, quand on les assemble, on fait des portes logiques. Et les portes logiques, ça me fait penser, bah, c'est juste, on les assemble ensemble, c'est des transistors et on en fait un peu plus, on a une brique un peu plus grosse et on les met dans une petite boîte, hein, les petites, avec des petites papates, là, c'est, on fait une petite araignée, là, ça fait peur un peu à ceux qui ne connaissent pas trop, mais on se retrouve avec une petite brique Lego un peu plus sympa. Et après, on les assemble. Un ordinateur, il a besoin de stocker l'information, mémoriser, il a besoin de comparer, compter, additionner, traiter de la donnée. Et nous, là, on va juste faire additionner, hein, pour l'instant, et afficher, donc ce sera nos petites LED. Alors, tout ça, c'est pour faire du fun, du rigolo. Donc, c'est pour faire ensuite quelque chose de sympa. Alors, effectivement, quand tu vois le chien comme ça en Lego, tu dis, ouais, c'est magnifique, mais ça fait peur. C'est... Comment on fait ? Ben, on va y aller pas à pas. En fait, on va prendre des petites briques et on va les construire. Et ça va être rigolo, on va faire quelque chose de fun et de passionnant. Alors, un des projets, ce serait de partir, par exemple, sur l'Apple 1. C'est des trucs qui viennent maintenant, ça commence à être un peu à la mode. Et moi, j'ai eu un Apple 2 quand j'ai commencé. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas ? C'est un projet sur lequel je suis d'ailleurs. Mais si c'est un truc à souder, top, souder, c'est cool. Beaucoup d'entre nous, je sais, dans ma bande, on a fait beaucoup souder nos enfants. Ma fille, je les ai fait souder, c'est cool, mais tu leur apprends à souder. Tu n'apprends pas vraiment le truc. Donc, souder des trucs, c'est cool, mais ce sera après, quand tu as fini ton projet. Ce n'est pas vraiment très pédagogique, je trouve. Construire un ordinateur que à partir de transistors. Mais évidemment, c'était mon idée. Je suis, ouais, on revient à la base, que des transistors, c'est génial. Alors, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Ma femme n'était pas trop d'accord que j'utilise cet espace dans la maison. Donc, je me suis dit, il faut que je me limite à mon bureau. Dans mon bureau, c'est à peu près 2 feuilles à 4. Hein. Donc, 2 feuilles à 4 sur des breadboards, ça ressemble à ça. Ben oui, forcément, c'est des fils. Il y a plein de fils, en fait. Il n'y a que ça. Et c'est ce qu'on trouve sur le net tout le temps. Alors, moi, je suis désolé, je regardais des vidéos au début. Je me suis dit, non, mais je ne comprends rien. Comment tu veux que j'y arrive? Donc, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas ça. Donc, j'ai continué à chercher. Et on trouve forcément mon inspiration principale, Ben Eater. Ce gars-là, tu regardes les commentaires. Alors déjà, vous voyez, hein, c'est un œuvre d'art. Et quand tu regardes sur les commentaires, bah, tu vois les mecs qui disent « Mais attends, mais mec, t'es où ? Moi, je suis ingénieur électronicien. Il n'y a aucun prof qui m'a expliqué ça. Est-ce que tu m'expliques en 15 minutes comment tu fais ?» Quand tu vois ça, tu dis que le mec, il a un truc. C'est comme Richard Feynman. C'est des pédagogues d'un autre niveau. Et en plus, ses vidéos sont excellentes. C'est le genre de gars qui ne dit pas « Ouais, abonnez-vous. » C'est juste, tac, tu vois ses mains, bim, il t'explique un flip-flop, il y va. Quoi, c'est parti. En 15 minutes, c'est fini. T'as tout compris. C'est génial. Alors, tu te fais plusieurs nuits blanches. Je vous conseille, c'est génial. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de ça pour essayer de faire mon projet, donc pédagogique par module, donc un petit peu différent, il n'est pas complet comme il a fait là, parce que moi je le veux modulaire. Et c'est parti. Alors j'ai regardé le 4004, je me dis, oh c'est cool, est-ce qu'il y a moyen de refaire le premier processeur? Alors en plus il est 4 bits, moi il est 8 bits là, encore mieux. Ouais, ouais mais en fait c'est très puissant. Hein. Là vous avez une liste des instructions, il y a add, sub, alors moi j'ai juste le add, mais il fait plein d'autres choses et c'est assez passionnant, je vous laisserai regarder ça. Mais effectivement, il était juste 4 bits à l'époque. C'est intéressant. Et ça, c'était son schéma. C'est beaucoup trop compliqué. On ne va pas faire ça. On va faire quelque chose de plus simple. Mais avant ça, on va parler de bits. Parce que là, il y a des bits, il y en aura partout. C'est quoi bit? C'est binary digits. Alors déjà, vous avez un clavier d'un vrai informaticien, 0, 1 et backspace. Voilà, avec ça. Je plaisante, mais c'est ce qu'on va faire dans un instant. On va juste faire ça. Donc, les bits, binary digits, binary 2. Digits, digital, les doigts. Non, ah non, pas de réaction aussi. Ben oui, en France, on traduit par les doigts. Donc restons sur les doigts, ça me va bien. Les doigts, on va compter sur les doigts. C'est parti. Combien on peut compter avec les doigts? Hein? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est le maximum qu'on peut faire? Ouais, potentiellement. On va essayer un truc. On va dire qu'on va coder. On va encoder. La main gauche, là maintenant, la main gauche, un doigt, c'est 5. Pourquoi pas? Je décide comme ça. Ça, c'est 5. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on peut faire ça. On a 5. C'est bon, on n'a rien perdu. 6, 7, 8, 9, 10, ah, 10, 2, c'est bon, vous aurez compris. Là, on est à 25, si je fais la main gauche. 26, 27, 28, 29, oui, 30. On peut compter jusqu'à 30, voilà. J'en ai pas loupé, j'en ai loupé aucun. On peut compter jusqu'à 30, eh oui, j'ai pas fait grand, j'ai juste codé. J'ai codé quelque chose. Voilà, on a ce principe de codage. Moi, ce que j'aime bien, c'est je m'imagine la construction de Rome. T'imagines Romulus et Rémus, t'imagines, hé, Rémus, j'ai une idée. Hé, 1, on va faire 1. Ok, 2, on va faire 2, c'est pas mal. 3, et wow, et Romulus, attends, je vois où tu viens, arrête, c'est bon. Ouais, c'est bien ça, levez, on va faire 5. Non, oui, bon, d'accord, mais non, arrête. X, oui, c'est bien, on va faire le 10. Ouais, bon, vous aurez compris,
L'idée était pas mal, mais il y a plein de civilisations qu'on fait, que comptaient en base 5, en base 7, en bas, voilà. Et en plus, ils n'avaient pas le 0, hein, si je ne me trompe pas, les Romains. Ensuite, on a eu donc, les Indiens et ensuite les Arabes qui ont introduit le 0. Donc, on commence à 0. On a fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Bon, on s'arrête, mec, parce que là, oui, OK, on s'arrête là. Bah, cool, mais on fait comment pour la suite? On fait comment pour continuer? On pourrait en créer d'autres, il n'y a pas de problème. Ah, bon, on s'est dit, bah, écoute, on va s'arrêter là. On va juste faire une autre colonne et on recommence à 0 et c'est reparti, quoi. Et puis, on va faire ça, voilà. Donc, vous aurez compris, 1, 0, c'est reparti, 0, 1, etc. Voilà, donc ça, c'est notre base décimale. En informatique, on va partir sur le 0 et le 1. Alors, juste un instant avant, c'est intéressant, parce que je pense que s'il y a possibilité de revenir aux fesses pour un autre projet, ce serait celui-là. Eh bien, pourquoi? Mais il y a plein d'autres, il y a pas d'autres valeurs entre, j'ai dit 0, 1, courant, pas courant. Mais en fait, du 5 volts, du 5 volts, mais pourquoi pas 4,5 volts, 3,2? Enfin, il y a des moyens de faire plein de valeurs. Eh bien, oui, c'est comme ça que les premiers ordinateurs existaient. C'était analogique. Sauf que pour plein de raisons qu'on évoquera dans une autre conférence, il y a moyen de faire aussi un ordinateur analogique. C'est un petit peu plus difficile, mais ça reste super passionnant. Là, on va rester sur 0, 1. On branche pas. Au moins, comme ça, on se prend pas trop la tête. 0, 1. Ouais, mais après, on est bloqué. C'est comme le 9. Mais on fait quoi après le 9? Ben, on a fait une nouvelle colonne. Ben, on va refaire pareil. On refait une colonne. Donc, 1, 0. Et on recommence. 0, 1. Et mince, c'est reparti. On se trouve à 1. Ben, on a que deux caractères. C'est sûr, on va pas aller bien loin. Donc, c'est sur des colonnes, on va en avoir beaucoup. Hein. 1, 0, 1. Vous avez compris. Tac, on arrive. Alors nous, ce qui va nous intéresser pour notre projet, on va faire une addition, on va coder. Hein. On va coder quoi? On va coder ici en C, ceux qui connaissent du C. Ce sera, on va faire int A égale 5, int B égale 3, int C égale A plus B, print de C. C'est ça qu'on va faire. Vous compilez ça, vous le balancez sur Max et O'Toole, vous le décompilez. Vous cherchez l'assembleur, et l'assembleur, ce sera pour moi un load immédiate A, load immédiate B, add A, B, et ensuite un out. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire là, donc avec ces quatre lignes d'assembleur. Nous, on va cette raison qu'au 3, donc 1, 1. Okay. Au 5, 1, 0, 1 en binaire. Et ça va nous donner notre résultat, 1, 0, 0, 0. Okay. C'est parti. Mais avant, il va falloir qu'on stocke. Si je vous dis là, 5 plus 3. Mais on n'y pense pas, mais humainement, on va faire 5. Tu t'en rappelles, tu n'es pas là 5 plus 3, comme vous savez, comme le petit poisson. Là, mes filles, regarde ce dessin animé, là, le petit poisson qui oublie tout, là, comment il s'appelle. Et en fait, tu dis 5 plus 3, il vient, OK, combien déjà? 5, je te dis, essaie de t'en rappeler. Voilà, il faut qu'on s'en rappelle. Donc, humainement, on fait ça. 5, tu t'en rappelles, 3, tu t'en rappelles, tu as l'addition et tu y vas. Et bien, il va falloir qu'on stocke. Comment on stocke de l'électricité? On peut pas, on ne stocke pas l'électricité. On peut le transformer pour avoir sous forme chimique ou autre, mais on ne peut pas stocker. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, imagine, en fait, tu as ton enfant qui revient de l'école, tu es là, ils sont tout excités et tout, tu veux lui dire un truc. Et tu dis, oui, tu vas jouer après, mais je veux te dire un truc d'abord. Un des moyens, c'est pas mal si tu dis, oh, vas-y, cours autour du canapé, vas-y, vas-y, cours. Il court. Toi, tu lui dis ce que tu as à dire, il dit, OK, c'est bon, vas-y, ouvre la porte, tu peux aller jouer dans le jardin. Il est parti. Ça va être le même principe. On va tricher là-dessus, c'est-à-dire que l'électricité, on va le faire tourner en rond, en fait. On va le faire tourner en rond, et quand on n'a plus besoin, on le fait sortir, hop, à la masse, et c'est parti. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire là. Donc, je vous propose une petite démo. Merci, Guillaume. C'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Donc, en fait, il faut faire une boucle hein, pour le faire tourner en boucle. Alors, si on fait une boucle juste avec un fil de cuivre qui boucle, le courant, il va prendre le chemin le plus rapide, il va pas passer par la boucle. Donc, en fait, on va mettre deux portes, deux transistors, pour le forcer à prendre la boucle et ressortir. Donc, on aura juste deux transistors et une LED. Deux transistors, une LED et des petites résistances pour protéger tout ça, qui fait une petite boucle, et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ouais, effectivement, est-ce qu'il va se connecter? Sinon, tu sors. Ouais, on va le refaire, voilà. Hop. Voilà, nickel, il est apparu. OK. Ouais. Normalement, vous avez... Ouais, c'est super, vous l'avez. Voilà. Parfait. OK. Voilà. Donc ici... Ah, excusez-moi, voilà. Donc ici, vous avez une petite breadboard avec deux petits boutons pour activer, pour laisser passer le courant et pour le mettre à la masse et les deux transistors. Hein, donc c'est vraiment le minimal qu'on peut faire. Je vais brancher ça, je vais faire entrer le courant, hop, et voilà, il boucle. Donc là, j'ai stocké un et j'appuie, je le sors. Je le rentre, je peux appuyer plusieurs fois hein, sur ce bouton-là, ça ne change rien. Et ici aussi, je peux même vous prouver ici, hop, ah, excusez-moi, j'ai dû bouger. Alors regardez, je vais essayer de ne pas tricher, je vais vous enlever le bouton. Voilà, je n'ai pas triché, j'ai enlevé le bouton, ça continue. Montrer que ce n'était pas un bouton pouce pain. Voilà. Et voilà, c'est bon, là il a dû bouger. OK, donc voilà, merci beaucoup. Donc là, on a créé un bit, on a stocké un bit. Donc on sait stocker un bit, juste avec deux transistors, on peut stocker un bit. Donc nous, on nous en faut 8, c'est un ordinateur 8 bits, il va entrer 8 à la fois, parce qu'un, on n'ira pas bien loin.
Et c'était très intéressant, hein, la conf qu'on a eue hier. Et vous avez, donc comme ça, ceux qui ont eu la conf, vous avez toutes les infos. Là, on sait des blocs de 8 bits. C'était intéressant, d'ailleurs, je ne savais pas que c'était des blocs de 6 bits avant qu'ils étaient intéressants. Donc là, c'est 8 bits. Donc on va en mettre 8 comme ça. Hein, et vous pouvez stocker donc 8 bits. Donc ça, c'est bien, on peut mémoriser. Alors ça, c'est bien. Mais après, il nous faut aussi manipuler tout ça. Parce que juste stocker, c'est bien. Mais après, il va falloir faire des additions, tout ça. Alors déjà, imaginez quand vous êtes dans le bus. Il y a plein de boutons partout pour sortir du bus. Okay, donc, vous pouvez en même temps appuyer sur un bouton. Voilà, si vous êtes en fauteuil roulant, il y a un bouton pour les gens qui sont en bas, il y a un bouton en haut, il y a un bouton à l'avant, à l'arrière du bus. Quel que soit le bouton que vous appuyez, vous sortez, les portes s'ouvrent et vous sortez. Okay, donc, ça, c'est un principe de où dans un film d'espionnage, voilà, tu as une porte et puis il faut que les deux agents secrets ils tournent la clé en même temps et la porte s'ouvre. Voilà, une fonction et. Donc, là, j'avais fait ce petit dessin avec Ralph. Il faut que les deux petites princesses s'ouvrent les deux portes et là, Ralph, il peut passer que quand les deux portes sont ouvertes. Il y a un schéma, ça, c'est la porte et. J'ai même fait aussi quand même un petit PCB avec des traçages, enfin tout un tas de choses sympas. Et je m'étais fait en fait un petit projet où j'avais créé en fait les portes logiques moi-même. Je me disais, tiens, juste est-ce que je peux le faire moi-même simplement pour rigoler, pour mieux comprendre la chose, hein, comme dit Richard Feynman. Et en fait, c'est possible, je l'ai fait, c'était super sympa. Et à partir de là, je me suis dit, ce projet-là, je vais aller sur Internet m'acheter mes pièces que quand je les crée avant. C'est-à-dire que si une porte, je veux m'acheter une petite porte et là, quatre portes et là, dans une puce, je me refuse de l'acheter tant que je ne l'ai pas créé moi-même. Et après, si je veux un compteur, je me le crée moi-même et après, je l'achète. Et je me refuse tant que je ne l'ai pas créé moi-même. Et ça a marché, sauf pour un élément dont on parlera après. Mais sinon, ça a marché. Chaque fois, je ne l'ai plus créé. Alors, donc ça, ce n'est pas super exceptionnel parce que voilà, c'était juste pour moi. Je n'avais pensé pas faire une conf là-dessus. Donc, je vais vous le montrer ici, ce sera plus simple. Vous voyez la porte voilà, je vais le mettre en film, ce sera plus simple. Comme ça, ça ira... Parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait survécu au trajet. Donc ici, vous avez la porte E. Quand j'appuie sur les deux boutons, ça s'allume. Alors là, j'ai caché, hein, j'ai mis un petit papier comme ce que je voulais faire au début de mon projet pour d'abord cacher la misère et ensuite je révèle pour voir ce qu'il y a en dessous. Ici, la porte XOR, il faut que si les deux sont activés, la porte ne s'active pas. Et ensuite, on a une porte spéciale dont je parlerai un petit peu après. Hein, c'est un tri-state buffer qui permet de se brancher sur le bus. J'en reviendrai après, c'est juste que je voulais la créer pour pouvoir l'acheter. Et ensuite, on a les portes inverses. Donc là, j'active toutes les portes inverses. Ce petit module, c'est le module que j'ai là, mais je crois qu'il n'a pas trop souffert au transport, vu que je l'avais fait sur breadboard et je n'avais pas bien coupé les pattes, donc il faudrait que je le refasse au propre. Voilà, là, vous avez toutes les mêmes portes, mais à l'envers. Hein. Donc là, c'est le NAND. Quand les deux sont appuyés, il s'éteint. Par défaut, il est allumé. Là, c'est le nord, et le XNOR, voilà. Voilà. OK. Donc, ça, c'était fait. Maintenant, j'ai pu acheter mes puces et j'ai pu commencer à créer mes modules. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on va se concentrer, on est sur le 3, le 5, le 8, et on va faire l'opération 5 plus 3 égale 8. On a vu hein, le code en C, je vous l'ai énoncé tout à l'heure. Donc, ça, on fera 1, 0, 1 plus 1, 1 égale 1, 0, 0, 0. Et si on fait ça, on aura réussi, j'aurai prouvé que ça fonctionne. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, tu as fait une addition, mais le processeur, il fait aussi la soustraction, des fois la multiplication, la division. Et là, ça, c'est intéressant, parce que je me suis dit, attendez, je vais faire un truc minimal, mais quand même un truc sérieux qui fonctionne. La soustraction, alors c'est génial, on a eu la conférence au cours de la conférence, on a eu la conférence hier qui a expliqué ça très, très bien. En fait, on va faire 5 plus 3, si on fait 5 moins 3, on va faire 5 plus moins 3. C'est juste, on encode, vous voyez, encoder, c'est pas si compliqué que ça. On va faire un système de codage pour coder le moins 3. Donc, on fera toujours une addition, en fait. Donc, une soustraction, ça reste une addition pour un processeur. Une multiplication, ça, même mes filles, 5 fois 3, c'est 5, plus 5, plus 5, 3 additions. Une division, c'est 5, moins 3, il y a un reste. Et tu peux faire moins, 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 voilà. Donc, ça reste une soustraction qui est une addition. Avec, avec un simple processeur qui additionne, je peux tout faire, donc c'est bon. Et ce n'est pas complètement faux. Hein, après, on peut améliorer un hardware, mais à la base, c'est un peu comme ça. Alors, on va faire un schéma un peu plus simple. Et il y a un truc qui s'appelle un schéma il s'appelle SAP. Ouais, c'est... Alors non, pas celui-là. Non, SAP, Simple as Possible. C'est une architecture la plus simple possible pour un processeur fonctionnel qui permet d'être Turing complete. Donc vous avez un registre A, un registre B, l'additionneur. Nous, on va juste additionner, c'est l'unité arithmétique logique, mais moi, elle sera juste, c'est juste l'additionneur. Et je vais mettre un registre, et j'en parlerai à la fin d'un truc impressionnant là-dessus, qui revient aussi à Ken Sherrick du début, vous allez voir, c'est impressionnant. Ensuite, le registre A, et le registre B, ils vont tous les deux être connectés à l'additionneur pour faire notre addition. On va avoir une sortie, parce que c'est quand même plus sympa de voir quelque chose, mais en vrai,
on n'aurait pas besoin de mettre des LED. Un processeur, il n'y a pas de LED hein, dans un processeur, c'est juste assez pour nous. D'ailleurs, ça complexifie un peu le truc. Mais voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir des petites loupiottes. Et un module input bah, pour rentrer mes 0 et mes 1. Bah, une fois qu'on a ça, je dirais qu'on a fini presque. Il faut juste maintenant les connecter entre eux. Donc l'input, lui, il va juste sortir. Okay, le registre A, on va pouvoir écrire dedans, mais on va pouvoir relire. Le registre B, bah, on va juste écrire dedans, parce que là, je n'ai pas besoin de le lire forcément. Et le registre de somme, lui, il va juste être en sortie. Et l'input, on va juste balancer dans l'input, il n'y a pas besoin de faire entrée-sortie. Et bien donc on va connecter tout ça avec un bus. On n'est pas obligé de faire ça, il y a des architectures qui peuvent fonctionner sans bus, mais c'est quand même plus simple et les architectures actuelles fonctionnent avec un bus. Donc en gros, c'est quoi? C'est juste des fils qui sont tous connectés ensemble. Et là, tu peux dire, en même temps, c'est un peu bizarre. Si tous sont connectés ensemble, si on a deux qui écrivent en même temps, ben oui, ça ne marche plus. Donc il y a une contrainte qui va avec ça. C'est plus simple à schématiser puis à faire, mais par contre, après, il faut prendre sur nous le fait qu'on fasse gaffe, il n'y en ait pas deux qui écrivent en même temps, sinon on est mal. Lire, c'est bon, on peut lire à plusieurs en même temps. Ça ne rappelle pas des trucs aussi dans le software? C'est intéressant. On a aussi un module, c'est le module de contrôle. On n'est pas obligé de le mettre, parce qu'on pourrait contrôler chaque porte pour les ouvrir et les fermer. Vous allez voir, c'est un jeu de portes. Mais en fait, le module de contrôle, c'est quand même sympa, parce que je vais tirer tous les fils, vous voyez, c'est les fils jaunes sur l'ordi, on a tiré tous les fils pour les mettre dans un module, pour les mettre ensemble. C'est quand même plus sympa pour manipuler. On a un petit module de contrôle, mais sinon, on pourrait l'enlever, pédagogiquement, on pourrait l'enlever et avoir des boutons un peu partout devant chaque porte. Hein. C'est possible aussi. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va y aller. Une petite démo. On va faire notre 5 plus 3 en live. Alors, je vais brancher le tout sur du 5 volts. C'est parti. Voilà. Alors, je vais en même temps positionner, que j'explique, des petits labels pour que vous voyez, que vous retrouviez les modules. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais écrire ce que je fais. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. C'est-à-dire chaque étape que je vais faire, je vais aussi vous montrer, je l'ai déjà préécrit là, mais je vais écrire chaque étape, pour que vous voyez un petit peu où je vais en venir après. Nickel, non, c'est parfait. Alors, voilà, donc c'est parti, vous avez le petit module ici. Ça, c'est le module d'input. Donc, je vais ici l'indiquer en input. Voilà, ici. OK. Et lui, il va juste sortir pour écrire sur le bus. Donc, par exemple, on va prendre 5. Donc, 5, on a dit, on se rappelle, c'est 1, 0, 1. Hein, donc, c'est parti. 1, 0, 1. Voilà, vous avez 1, 0, 1. Et je vais l'activer ici, hop, sur le bus. Donc, on voit ici, sur le bus, là-haut, les trois premières lettres, là, 1, 0, 1. Donc, on voit qu'il y a du courant qui est sur le bus actuellement. Personne n'écoute pour l'instant. Et personne n'écrit dessus, à part lui. Donc ça, c'est bien. On va commencer à écrire. Ici, vous voyez, j'ai noté ici la colonne input out. Et là, j'ai mis, il est à 0. Voilà, c'est un fonctionnement inverse. Souvent, hein, dans les puces, quand la puce s'active, on a la valeur 0, alors que nous, on penserait plutôt on met 1 pour l'activer. Peu importe, il faut juste savoir, donc souvent une petite barre au-dessus, hein, c'est une petite barre au-dessus pour dire que c'est un fonctionnement inverse. On l'active quand on envoie le 0. Voilà, donc j'ai écrit 0 ici. C'est parti, alors maintenant ce qu'on veut faire, et ça c'est ce qui est rigolo, c'est un jeu de porte. Ce qu'on veut faire, c'est s'en rappeler, le stocker quelque part, on va stocker dans le registre A. Donc le registre A, il est là, ici je le mets là. Dans le registre A, on va stocker maintenant cette valeur qui est sur le bus. Donc je vais ici indiquer en bas sur le module de contrôle à quoi correspond chaque petit bouton. C'est juste un raccourci, hein, on a tiré les fils jaunes là, ils sont tirés parce que c'est plus sympa d'avoir tout au même endroit. Et on a le registre A, input. Là, je l'active ici. Donc quand je fais ça, au moment où je vais activer toutes mes puces en même temps, ça s'appelle un signal d'horloge, on va balancer un signal où toutes les portes vont s'activer. Celles qui font rien, elles feront rien, mais celles qui sont activées, là, je viens d'en activer une, le registre A, il va écouter et écrire dedans. C'est parti, vous devriez avoir 101 s'afficher là-dedans. Yes, ça marche. Donc on a 101 affiché dans le registre A. Donc ça c'est bon. Ok, c'est parti. Maintenant on continue. Donc je redésactive tout. Et on va stocker 3. Donc c'est parti. 3, 1, 1. On a dit que c'était 3. Je l'active sur le bus. Voilà. Et je vais maintenant mettre dans le registre B. Registre B. Je vais sortir ici. Je vais vous montrer. Registre B, il est là. Voilà. Registre B, je l'active ici. J'ouvre la porte pour le registre B. Signal d'horloge. Hop, c'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le petit label pour le signal d'horloge. Je mets ici. Voilà, signal d'horloge. OK. Et bien là, on a bien 3 dans le registre B. Donc ça, c'est bon. Je coupe ça. J'ai plus besoin maintenant de mon module d'input. Donc je vais le désactiver. Voilà. Et si vous regardez ici, je n'ai pas écrit en même temps, mais ici, vous avez, j'avais juste... activer la sortie avec 0 et activer le registre A avec 1. Le reste, j'avais laissé à 0.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore activé l'input de sortie, parce que j'ai mis la valeur 3, et j'avais activé seulement le module B. Donc vous voyez, j'ai rentré des 0 et des 1 chaque fois que j'activais ou désactivais un module. Il me reste maintenant à faire l'addition. Si vous regardez sur le schéma ici, vous voyez que le registre A et B, ils sont connectés ensemble directement, comme j'avais montré, sur l'additionneur qui est ici. Et ensuite, j'ai créé un registre là pour stocker la valeur du résultat. Comme je vous ai dit, j'y reviendrai un peu, il y a un truc très intéressant à ce sujet, sur ce fameux registre de l'ALU. Et bien, c'est parti. Je vais maintenant, ici, sur mon module de commande, activer, faire un petit jeu de porte, et je vais stocker ça dans le module, dans le registre somme. C'est parti. Yes, voilà. On a la somme ici, qui s'affiche ici. Dans le registre de somme, on a 8, donc 1, 0, 0, 0. Donc là, ça a fonctionné, on a bien notre addition. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais tout désactiver, on va sortir cette somme-là. Normalement, on la remet dans l'accumulateur, le registre A. Là, on va aller un peu plus vite. Je vais directement le sortir du registre et le mettre directement, parce que je peux, hein, c'est mon ordi. Je le sors sur directement la sortie, le registre de sortie. Voilà. Et c'est ça qui est rigolo. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, je fais ce que je veux, c'est mon ordi, c'est moi qui crée mes commandes, c'est moi qui... Et je les crée physiquement, quoi, avec des fils électriques, et c'est ça qui est génial. Donc là, je le sors là, et je le vais rentrer dans l'input. Donc, regardez, c'est ça qui est rigolo. Là, si vous avez bien suivi, normalement, c'est registre, somme, out, on sort, ça va sur le bus, d'ailleurs, regardez, ça marche. Sur le bus, on a 101 qui est affiché sur le bus. On voit bien que voilà, le courant est déjà sorti sur le bus. Et ensuite, output in, registre d'output, en entrée. Et ici, ça devrait rentrer ici dans le registre au signal d'horloge. Attention, c'est parti. Tac. Yes, ça a marché. Okay. Alors, merci. Alors, vous ne croyez pas si bien dire parce que les électroniciens, je ne sais pas s'ils ont déjà quitté la salle, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de condo. Il n'y a aucun condensateur. C'est une aberration, je le sais. C'est juste que pédagogiquement, je ne voulais rien qui perturbe mon explication pédagogique. Il faudrait mettre un condensateur par IC, donc il y en aurait partout. Et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des breadboards hyper chers et j'ai acheté une alim qui est très correcte pour avoir un bon courant, parce que sinon, juste poser sa main ou l'électrostatique suffisait à perturber tout. Et c'est pour ça qu'on met des condos partout. Mais remarque, c'est intéressant, c'est comme ça que j'ai vu ça. Quand j'ai passé des heures, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai mis mon oscilloscope. Ah, et ça, c'est plus du console log, là. C'est vraiment... Voilà, là on passe à l'étape supérieure. Là, tu mets ton oscilloscope et là, tu vois, ah ouais, j'ai 3,9 volts. Ah ouais, d'accord, donc en gros, il considère même plus, c'est un 1, quoi. Et c'est comme ça que tu le vois. Tu me dis, c'est génial, parce que la LED, là, ça a ses limites. Hein. Hey, console log, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Donc, on a réussi. Regardez ici ce que j'ai fait. C'est que j'ai continué ici, donc là, j'ai mis 1 parce que j'ai désactivé. 1, c'est pour désactiver l'input, donc ils ont été désactivés. Ensuite, j'ai, dans ma troisième ligne de code, là, j'ai rentré la somme, donc... j'ai stocké la somme, et ensuite, je l'ai sortie pour la mettre dans le module de sortie. Et là, on a fini. Voilà. Merci. Toc. OK. Donc, ça, c'est fait. On a réussi donc cette addition. Et là, tu peux me dire, bah, c'est top, c'est cool, mais t'es gentil, j'ai fait beaucoup d'opérations manuelles quand même. C'est quand même sympa, mais ça a ses limites. Très bien. Alors, effectivement, si on regarde un petit peu ce schéma-là, c'est ce que je vous ai montré à l'instant, et il n'y a pas quelque chose qui vous choque, il y a beaucoup de 0 et de 1 là quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, hein, nous, notre cœur d'informaticien, là, on pourrait, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen d'automatiser là. Je me dis, mais autant de 0 et de 1, mais on peut les stocker quelque part, ben, qu'à cela ne tienne. On a créé un registre avec un bit, ben, on en met 8, on peut stocker ça hein, dans un registre. Alors on pourrait créer là, on a besoin de 4 registres. Alors on pourrait faire ça, mais le mieux c'est carrément d'utiliser une RAM. Une RAM, c'est possible aussi. Moi, j'en ai créé une. Après, c'est juste plusieurs registres qu'on peut adresser, le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc, vous avez ici une mémoire. On va pouvoir stocker simplement ces 0 et 5 qui sont là. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on les stocke là-dessus. Et comme ça, on va voir s'il y a moyen d'automatiser. On n'aura plus à les taper à la main. Alors, ça, c'est pour le coup une EEPROM. Le petit truc que je vous avais dit, je voulais à chaque fois, avant d'acheter une puce, je voulais la créer avant. C'est le seul truc que je n'ai pas pu créer parce que c'est juste magique. S'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est expliqué pédagogiquement, hein, simplement une EEPROM, bonne chance, je suis preneur, venez me voir à la fin s'il vous plaît. Parce que là, je n'ai pas trouvé, c'est vraiment magique ça. Mais une RAM, c'est bon. Ça marcherait avec une RAM, c'est juste que ce serait beaucoup plus long, parce qu'à chaque fois, je perdrais tout dès qu'il n'y a plus de courant. Là, c'est bon, j'ai déjà stocké tout dedans. Alors, je ne vais pas le faire là, j'ai pris une vidéo, parce que sinon, ça va être un petit peu plus long. Et voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc c'est parti, regardez ce que ça fait. Donc c'est-à-dire qu'on a stocké, j'ai stocké ces 0 et 1 dans les PROM, et on va simplement choisir ensuite l'adresse à laquelle on a stocké ça. Donc j'ai mis au hasard la première, vous voyez, j'ai mis 0, après j'ai mis 1, après j'ai mis 3,
Après, j'ai mis ces 7, c'est ça. Hein. Peu importe, on s'en fout. J'ai juste codé ça. Et si vous regardez, hein, on peut appeler ça opcode. Et si on écrit en anglais ce qu'on a fait, bon, bah, ça ressemble un peu à l'assemblée. On aurait load A, load B, add A, B. En fait, c'est load immédiate. Voilà. Ouais, mais après, on fait ce qu'on veut. De toute façon, c'est ton ordi. Donc, c'est ça que je vais dire. Là, tu peux créer ton propre assembleur. Et donc, c'est parti. Donc, regardez, là, c'est parti. Je vais lancer la vidéo. Ce qui se passe, c'est que j'ai branché ce petit module à la place de mes doigts, là, quand je rentrais les 0 et 1. D'ailleurs, je vais couper. Voilà. Et ben, j'ai lancé ça et c'est parti. Donc, là, vous voyez, on est quand même obligé de stocker les valeurs encore. Hein. Le 5 et le 3, c'est dommage. On est encore obligé de les mettre. On met 5. Là, on choisit l'adresse 0. Voilà. Et on voit, hop, ça a stocké pour nous. La bonne valeur, tac, on fait 5, c'est 5 dans le registre A. On est obligé de rentrer le 3 à la main, c'est un peu dommage, il y aura peut-être un truc à faire là-dessus. On choisit la deuxième adresse, où on a stocké notre load B. Hop, load B, on a notre 3. Ensuite, on va chercher l'adresse cette fois-ci. Alors là, j'ai plus besoin de l'input, j'en ai plus besoin. Et on va chercher la troisième adresse qui va être notre addition. Et hop, on stocke l'addition dans le registre d'addition. Et ensuite, à la fin, eh ben, on va balancer ça dans le registre de sortie. Et voilà, on a fini. Donc, c'est pas mal, on a gagné un petit peu, mais il y a peut-être encore moyen d'automatiser. Qu'est-ce qui nous reste à automatiser ? Réfléchissons, on a rentré à la main les valeurs, le 5 et le 3, c'est des 0 et 1. Et on a rentré une adresse, l'adresse 0, l'adresse 1, après l'adresse 3, l'adresse 7, peu importe. Voilà, c'est moi qui décidais en fonction des commandes que je voulais. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a ici une autre mémoire, ah, là c'est une RAM pour le coup, où là on peut stocker... Stocker quoi ? Bah, stocker notre code. Donc pour nous, Dell, ça va être ça notre code. Et là, pour le coup, on ne va pas stocker ça n'importe où. On va stocker ça dans des adresses consécutives. À l'adresse 0, je vais mettre ma première commande qui va être load A. Ou là, je vais mettre ma première commande qui va être chargée dans le registre A. Et ma valeur, je vais pouvoir mettre ma valeur. Alors ce que je vais faire, là, c'est que c'est 8 bits. C'est une mémoire de 8. Donc ce que je vais faire, c'est de séparer en deux. J'ai les 4 premiers bits, je vais dire, c'est moi qui décide, que ça va être mon adresse pour aller choper dans mon premier module. Ma commande, donc load A par exemple, et les 4 derniers bits, bah, ça va être par exemple ma valeur, donc mon 5. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, c'est parti. Regardez, ici, notre adresse 0, on va mettre l'opcode 0, qui était load A, et ma valeur 5. Ensuite, l'adresse 1, juste après, là c'est important, on va mettre l'opcode 1, où on avait stocké notre load B, dans le registre B, et là sa valeur 3. Ensuite, à la troisième ligne, toujours, voilà, là c'est consécutif. On se retrouve avec l'opcode qui était 3. Vous voyez, là, c'est, peu importe, ça pose un des consécutifs. Ça, c'était notre addition. On va stocker dans notre registre addition. Et là, la valeur, on n'a plus besoin. Donc, je mets tout à 0. Alors, on n'a plus besoin, elle n'a plus de valeur, c'est pas grave. Donc, je m'en fous. Et la dernière, donc à l'adresse 3, on a notre sortie. Je vais appeler out parce que voilà, ça sonne bien. Si je veux le mettre en anglais. Mais sinon, pour moi, c'est 0, 1, 1, 1. C'est là où j'avais stocké la sortie. Voilà, vous voyez ce niveau d'indirection. Eh bien, c'est parti. Regardez à quoi ça ressemble. On y va. On met le module qu'on branche sur le premier, et c'est parti. Là, ce qu'on a plus qu'à faire, c'est choisir la première ligne de notre programme. Ensuite, à l'activation, tac, on active aussi une horloge. Donc, on refait les mêmes étapes, sauf que là, on ne fait que choisir une adresse consécutive. On a fait choisir adresse 0, adresse 1, adresse 2, adresse 3, et à chaque fois, on a fait cloc, 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 cloc. On n'a plus que juste ça à peut-être automatiser. Aïe, aïe, aïe. Ouais, parce que là, il nous faut quoi ? Il nous faut compter. Compter de 0 à 3. Et il nous faut un truc qui fait clac, 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 comme ça. Signal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir qui fait ça ? Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez fait avec vos enfants à Noël, hein, pour apprendre à souder ce petit projet classique, où en fait, non, ça vous dit quelque chose ? Mais avant ça, qu'est-ce qu'un informaticien ferait ? Alors, il y a les modules, des quartz hein, qui vous permettent d'aller maintenant à plusieurs gigahertz. Moi, j'en ai acheté de 1 MHz à 40 MHz pour essayer de tester. Je ne l'ai pas encore testé. Pour tester jusqu'à quoi jusqu'à combien ils supportent. À mon avis, des breadboards comme ça, c'est des breadboards de qualité. Ça va être entre 1, 2, peut-être 4 MHz max. Je vais essayer de le pousser à 8, on va voir. Mais je me suis dit, non, c'est magique. Un quartz, bon, c'est pas complètement magique. À la limite, ça peut être pas mal, mais ça reste un peu trop magique et puis ça va trop vite. Moi, mon but, c'est d'aller pas à pas, donc je ne vais pas utiliser ça. Donc, il y a un autre module qu'on va utiliser. Il le prend pas ? Ouais, des fois ça arrive. C'est pas super grave. Ouais, bon, c'est pas très grave. Je vais attendre. Ouais, ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a un module que connaissent pas mal d'électroniciens. Hein, c'est celui-là, le 555 timer. Voilà, le 555 timer, là, vous avez ici. Alors, là. Ah oui.
Alors là, il faut me croire sur parole. Si on arrive à filmer, on va vous montrer. Vous avez quoi? Le 5-5-5 timer, 5-5-5 timer. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 résistances qui font... qui permettent de sélectionner des voltages spécifiques pour ensuite aller dans des comparateurs. Les comparateurs, c'est pas évident, il va falloir expliquer un comparateur, c'est pas si compliqué que ça, mais quand même, il faut expliquer. Ensuite, on a un flip-flop, quand même. Et ensuite, on a quand même un transistor. C'est quand même, je dis, c'est pas mal, mais ça me relance dans des explications un peu complexes. C'est ce qu'on utilise dans un 5-5-5-timer, très utilisé, mais c'est un peu dommage, ça va un peu loin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple? Comme je vous avais dit, ce petit projet, on fait clignoter des LED. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, il y a un autre projet qui est sympa. Voilà. C'est what part of this don't you understand? Voilà. Donc là, vous avez quoi? Vous avez deux condensateurs, deux transistors qui sont vraiment côte à côte et qui sont symétriques. Et en fait, avec juste deux condos, deux transistors et des petites résistances, hein, voilà, vous arrivez à faire quelque chose qui clignote. Alors comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un condensateur, il se charge, il se décharge, il se charge, il se décharge. Ils ne sont jamais parfaits, donc c'est-à-dire que si vous en achetez deux même, de la même usine, voilà, ils ne seront pas parfaits. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tout est symétrique, vous allez dire, non, ce n'est pas censé fonctionner. Mais comme ils ne sont pas parfaits, il y en a un qui va se charger un peu avant l'autre. Et comme il est connecté à la porte, au transistor de l'autre, il va décharger l'autre, qui va recharger l'un, qui va recharger l'autre, et automatiquement, à un moment donné, on va avoir un système hein, de bascule et ça va clignoter. Et avec ça, on peut clignoter plein de trucs. Donc, je me dis, ce petit projet, je l'avais déjà fait pour faire une petite voiture de police à ma fille. Là, elle avait joué ça, on avait appris à souder, c'était rigolo. J'ai dit, mais attends, mais je vais utiliser ce truc-là, parce que ça, c'est simple. Donc, je suis parti là-dessus. Et donc, en fait, je l'ai branché sur mon ordi et j'ai enfin mon clock signal. Ben, ça y est, je l'ai, quoi. J'ai un signal, je peux sélectionner avec une résistance hein, la fréquence et c'est bon. Donc, j'avais ça. Il me restait le compteur. Alors le compteur, pareil, on n'a pas le temps, mais je serais ravi de vous faire un truc là-dessus. C'est des bascules qu'on va chaîner, et en les chaînant, il y en a une qui se déclenche, elle va déclencher la seconde, qui va déclencher la troisième, et comme tout est décalé, à un moment donné, si tu tires des fils de chaque bascule, en fait, vous comptez de deux en deux, et à un moment donné, bah, ça compte, quoi. Donc vous pouvez compter voilà, de 0 à 3. Donc j'ai fait une petite bascule avec juste des portes logiques, je n'ai pas triché, je n'ai pas acheté une bascule, j'ai acheté des portes logiques, et j'ai créé ma bascule. Donc après, je me suis autorisé à acheter des bascules. Mais voilà. Et donc, je me retrouve avec quoi? Bah, je me retrouve avec un petit module, avec mon oscillateur à stable, c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, c'est un petit peu violent, qui clignote. Donc j'ai mon clock signal, et j'ai ensuite mon compteur qui compte de 0 à 3. C'est pas foufou, mais c'est pas mal. Et regardez, c'est parti. Donc je vous montre. Donc lui, il clignote, et en clignotant, il bascule, hein, les bascules, là, les flip-flops, il les fait basculer, c'est 2 giga flip-flops, hein, pour ceux qui connaissent, à la suite, et voilà, avec des portes logiques, donc, c'est des OR, des XOR, ou je sais plus quoi. Et on voit qu'il compte de 0 à 3. Voilà, 0, 1, 2, 3. Alors là, pareil, pour l'afficheur, j'ai pas voulu tricher, j'ai pas utilisé un décodeur BCD, je l'ai créé à la main. Alors là, il compte, c'est juste, je crois que j'avais été un XOR et je sais plus quoi, comme des portes, c'est juste des portes logiques, hein. Il y a pas de... C'est... Et une fois que j'ai créé ça, bah, je me suis autorisé sur mon ordi à acheter un décodeur BCD, c'est excellent, parce que je l'avais créé avant, donc c'était bon, je me suis autorisé à l'acheter. Et donc ça fonctionne, bah, ça, si on le branche, en théorie, ça marche. Donc c'est parti, regardez, l'ordinateur complet, et bim, normalement, 0, 1, deuxième ligne de code, troisième ligne de code, et bim, on a notre résultat. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je suis Olivier Hubert, directeur technique à Zenica Paris, passionné, pédagogie, partage, formation, prise de parole pour lui, conférencier. Voilà, vous pouvez trouver sur Twitter et sur LinkedIn, Olivier Hubert, tout collé, sans le T à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, juste avant, effectivement, je risque. Oui. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci beaucoup. J'ai juste un truc à dire, je veux vraiment vous sortir ça. Vous avez parlé du registre, là. C'est ça, c'est complètement fou. C'est qu'en fait, il n'y en avait pas sur j'avais pas vu de registre. Et Ben Hitter, il n'a pas mis de registre, là, sur la sortie. C'est juste que normalement, c'est un accumulateur, le registre A. Et là, lui, il va vers l'accumulateur. Mais en tant que dev, je me suis dit, mais attends, l'accumulateur, il est sur le registre A, il est sur l'accumulateur, mais il y a une boucle là. Je fais, non, je ne suis pas électronicien, je vais le faire et ça va, voilà. Sauf que moi, j'utilise des S74HC, des puces qui vont peut-être un peu plus rapides, ou en tout cas, c'est différent de Ben Hitter. Et quand j'ai lancé le truc, je lance le machin et je vois l'addition, ça part en boucle. Mais je le savais, pourtant, ça boucle le truc. J'ai repotassé les datasheets des processeurs. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais des fois, sur certains procs, ils le mettent. Ils mettent qu'il y a un registre. Et j'ai découvert ça par hasard sur Ken Sheriff, qui lui, il ouvrait un proc, tu sais, il zoome, il met à l'acide et tout. Et à un moment, il dit, tiens, regardez, il y a
il y a un registre intermédiaire qui s'appelle ACT d'ailleurs, qui est d'ailleurs, il n'est pas mis, alors moi je ne l'avais pas, donc moi je l'ai mis derrière, mais normalement il se met devant la lune, il s'appelle ACT, et tu as bien un registre intermédiaire pour pas que ça boucle, quoi. Mais je le savais. Ça c'est génial parce que je l'aurais découvert tout seul, c'est juste kiffant. Mais en fait, oui, il y en a bien, alors sur certains data sheets, ils les mettent, mais des fois ils omettent comme ça des trucs, non, il n'y en a pas, normal, ça marche, c'est magique. Et ça c'est, j'aime bien, c'est déconstruire les trucs qui semblent magiques, et en fait c'est simple, c'est juste des ouvertures de portes, on peut faire joujou, il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu de temps pour des questions, ouais. Oui. Merci pour la conférence jubilatoire, c'était super. Juste, est-ce que tu peux préciser, j'ai peut-être pas bien suivi, mais comment tu fais pour charger ta RAM? Est-ce que c'est une EEPROM que tu as préparée à l'avance? Oui, eh ben, à la main, hein, on ne triche pas. J'ai un petit module juste avec des deep switch, avec tout un tas de câbles, et je les branche sur ma RAM. Et sur ma RAM, j'ai fait un petit module juste avec deux boutons, write et read. Et en fait, ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai même pas mis de condo non plus là-dessus. Je devrais. Mais ça marche pas. J'ai juste une RAM avec un. Ici, je sélectionne mon adresse. J'ai deux boutons pour faire lire, écrire. Et ça suffit. Quand on regarde la data sheet, on n'est pas censé faire ça. C'est un peu plus complexe. Mais en fait, ça marche. C'est suffisant. Je voulais vraiment faire le. Si ça marche au minimum, c'est bon. Pédagogiquement, c'est top. En vrai, voilà, il faut mettre des condos. Il faut faire un truc beaucoup plus propre que ça. Hein. Mais donc, ça marche très bien. Donc, en fait, il faut que je. Donc, en fait, la conf serait beaucoup plus longue. Parce que si je le fais devant vous, ce qui serait génial, hein, moi j'adore. Moi, je le fais sur mon bureau. D'ailleurs, quand je l'ai filmé. Mais c'est super long. Parce que tu dois rentrer les 0 et 1 adresse par adresse. Pas te tromper, machin. Mais c'est super. C'est super kiffant encore. Voilà. On a le temps pour une autre question? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Ok, d'autres trucs, peut-être pour le prix, certains m'ont demandé. Normalement, c'est pas cher, parce que des puces, ça coûte quoi, 30 centimes, voilà, sur certains sites hein, que vous connaissez. Moi, je n'étais pas patient, donc j'ai acheté en Allemagne, donc c'était un peu, pas beaucoup plus cher, mais comme ça, c'était livré assez rapidement. Le seul truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça c'est rigolo, parce que ça fait un an que je bosse dessus, c'était un projet confinement, j'avais le temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est là où on réalise qu'on touche la matière, mais c'est ça que je voulais, en tant qu'informaticien, je voulais toucher de la vraie matière, quoi, des vrais trucs, quoi, pas du logiciel, parce que je sais que ça se fait aussi sur simulation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait quand même face à la physique, et à un moment donné, bah oui, des fois il faut des condos, et à un moment donné, j'ai passé 3 heures, une nuit blanche sur un truc, c'était juste la breadboard, vous savez, une breadboard, t'as ça, tu branches ça, à l'intérieur d'une breadboard, t'as des contacteurs métalliques, tu mets ça dans une breadboard de celle-là, hein, et bah ça fait ça, hein, le truc qui revient, une breadboard de mauvaise qualité, tu fais ça, c'est mort, hein, le truc qui reste comme ça, donc au niveau des contacteurs, c'est naze, donc j'ai acheté une breadboard, c'est 10 balles la breadboard, super chère, qui est importée du Canada, mais, donc c'est ça qui est cher en fait, ce qui est dommage, mais ça, j'ai plus aucun problème, et une bonne alim, parce qu'effectivement, 1 et 1,0, en fait, c'est pas 0 volts, 5 volts, hein, pas du tout, hein. 0, c'est 0, 1, 2, voilà, et 5 volts, en fait, c'est 3,9, 4,5, voilà, donc en fait, sûr que ça fluctue un peu trop vers le bas ou un peu trop vers le haut, et puis, ton 0, ça devient 1, machin, donc ouais, la réalité du terrain nous rattrape, hein, c'est pour ça que j'ai quand même mis un an avant de faire ça, mais ça reste super kiffant, ne vous découragez pas, allez-y, c'est possible, et ça tient sur un bureau, voilà. Les projets suivants, ce serait, là je bosse sur l'Apple 1, parce que c'est quand même l'Apple, j'avais démarré avec l'Apple, merci papa, donc j'ai acheté, je vais refaire l'Apple 1 avec un 65C02, là j'ai créé un proc, j'ai le droit d'en acheter un, donc là j'ai acheté le 65C02, et maintenant je vais faire l'Apple 1, et il y a aussi la carte graphique, une carte graphique, waouh, truc de malade, non, une carte graphique c'est deux compteurs. Le compteur horizontal, le compteur vertical, c'est bon, tu mets ça dans une RAM et tu as une carte graphique. Donc peut-être l'année prochaine, je viens avec une carte graphique. Ouais, c'est branché ça là. Voilà.